amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pote de Golf. Aujourd'hui, on va se faire une petite partie au Golf d'Evreux. Regardez, super magnifique. On a hâte de commencer la partie, donc on va se faire un petit scramble. Ça va, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous foutez là? Nous, on récupère les balles, les gars. Vous êtes... on est un other swing. Un other swing? Ah, on va faire des balles. Ah, mais... Jules, vous avez vu déjà? Ça va les gars? Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Bon, voilà, comme vous pouvez voir, on est avec nos nouveaux partenaires, donc Jules et Arthur de Another Swing. Donc les gars, on vous laisse présenter votre boîte. Eh ben, Another Swing, on est spécialisé dans le ramassage des balles de golf, dans la dépollution des étangs. Donc on plonge et ensuite on nettoie les balles et on les revend en balles de seconde main. D'accord, ok, bon bah je pense que vous avez compris le concept. On peut vous retrouver sur Instagram. Exactement, sur Instagram, Facebook, sur LinkedIn, ouais, et sur notre site. Sur, donc on vous met tout en description sur la vidéo pour aller consulter leur site internet. Et pourquoi pas, je vous même conseille d'aller acheter leurs balles. Et puis bah c'est parti, on s'envoie un petit scramble. On se fait un scramble du coup. Ouais, allez, bon, allez, okay, on y va, allez, c'est parti, let's go. On va aller défoncer. Enfin là je sais pas s'il faut se serrer la main. Ouais. Allez, c'est parti. Paf, la bagarre. Allez, tirage au sort, qui part en premier? Et bah c'est vous. Nous. Allez, on vous dit pas bonne partie les mecs. Hein. On va aller défoncer Jules. C'est chaud. On va le tuer. Allez. Donc pour rappel les index, Alban 16, Arthur 9, 0. Donc pour préciser, Jules, il est tu viens de commencer un peu le golf, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je viens de débuter, là, y a... on va dire 54. Allez. Donc du coup, on se met ensemble et puis on va les broyer, ouais, quoi. Ça, si je fais un mauvais coup, de toute façon, il passe pas à la caméra, non? C'est bon, je l'ai vu rebondir, elle est là-bas. Ouais. Elle est sur le green du 10 là. Green en régule. Enfin, fairway en régule. Bon bah Jules, on peut prendre notre pitch là, c'est bon. Hein. Et bah elle est là. Et dira. Allez, on a un trou hein, pour faire ton jambe. Ouais, c'est pas mal, hein. On s'est fait prendre par le vent. Mais... on est court, mais on est là. Bon, on va taper notre quatrième shot avec Jules parce qu'on a tous les deux foiré notre départ. T'as fait hors limite à gauche, moi j'ai fait hors limite aussi à gauche, plus loin dans la haie. Donc voilà, donc là il nous reste 115 mètres. Donc on va essayer de se rapprocher plus près du drapeau pour le mettre la pression et essayer d'aller chercher un, au moins le bogey quoi. Donc allez, c'est parti. Allez Yann, je prends toi. C'est parti. Bon, on a évité le bunker de peu, hein, vous pouvez le voir. Mais on se laisse un petit chouette quand même. Allez, un petit chip rentrable, non? Ah, ça c'est bien ça. Wow! Magnifique. Avec nous, hein, vous l'avez vu. On est là en 4.
Il faudrait qu'on au moins qu'on se valide le double bogey, toi. Ouais. Oh le graton. Ouais. Oh elle est parfaite. Ouais joli. Super. Super shot. Ah c'est pas donné. Je pense qu'Adrien ils vont la mettre hein. Normalement. Allez, vas-y, on peut être juste pour. Non, c'est bon, c'est donné. Ok. On peut être juste merci. Pour prendre la roule des grilles un peu. Ouais, oui. On s'entraîne parce qu'on n'a pas encore. Tiens, merci. Bien joué. Bien joué. Gagner le trou numéro 1 sur un beau gars, il n'y a rien de mieux. Et oui, monsieur. Oh, hello. Jolie pète. Allez, trou numéro 2, ça va par 5, handicap 3, donc il a l'air bien chaud. On a 446 mètres des jaunes. C'est une espèce de double dogleg. Donc ça part à droite et après ça repart à gauche au bout. Donc on va voir ce que ça donne, mais il a l'air super. Allez, trou numéro 2, c'est parti. Oh, et bah, là, c'est là, parfait ça. Est-ce que je joue? C'est la question. Hein. Super. Attends, hein? Est-ce qu'on peut le refilmer ça? Ah bah celle-là elle est parfaite aussi. Mmh. On dirait qu'on est... on a grandi ici. On connaît les lignes. C'est et la ligne, c'est la ligne. Quand on dit ça, ça se trouve derrière, il y a un énorme arbre. Bon comme vous avez pu le voir, je crois qu'il faut aller un peu à droite, cliquer au-dessus des arbres qu'on voit là-bas. Parce que là, le Ronald au bout, il est à 220. Donc si on veut avancer, peut-être pouvoir attaquer le trou en deux, je pense qu'il faut couper au-dessus, au-dessus des arbres qu'on voit là-bas. On va essayer de le faire aussi. Oh non, il n'y a pas de casse. Hein. Attends, t'es mort. Pas de soucis. Allez, à mon tour. Allez, Jules. Allez. Dans l'idée, hein. Alors, Jules, tu peux m'expliquer comment t'en es venu à te mettre au golf et bah, surtout à bosser avec, enfin, dans l'entreprise Another Swing? Bah écoute, avec Arthur, on s'est rencontrés en Australie il y a quelques années. Ah, yes. On travaillait ensemble dans la même boîte, on faisait un stage. Et Arthur, il fait du golf depuis qu'il est petit. Ouais. Il m'a un peu initié au golf il y a déjà quelques années. Et on avait cette idée de ramasser les balles dans les étangs. On a vu qu'il y avait peu d'acteurs sur le marché, peu d'acteurs français notamment. Et c'est quelque chose qui nous tenait énormément à cœur. On trouvait que l'aspect éco-responsable, durable de ça, c'était pas mis assez en avant selon nous. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas se lancer. C'est quand même un cadre de travail qui est plutôt sympa d'être dans les golfs tout au long de l'année. Et donc, et on s'est lancé là il y a maintenant quasiment 6 mois. Et toi qui n'as jamais trop connu le golf ou quoi que ce soit, est-ce que ça t'a surpris ou est-ce que tu t'attendais à ça ou est-ce que, tu vois, par exemple, il y a des a priori, il y a des machins comme ça, est-ce que tu... Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'a priori sur le golf quand on connaît pas du tout ce sport, quand on a un regard vachement extérieur finalement. Et moi, j'avais déjà été faire quelques pratiques, j'avais déjà des amis qui jouaient un petit peu au golf. Mais je trouve que la pratique du golf évolue énormément. Okay. C'est de plus en plus accessible. Il y a de plus en plus d'initiations de la part des golfs, il y a de plus en plus d'entreprises qui font des petits séminaires et au final ça montre que ça se démocratise un petit peu et c'est cool, ça rend le sport plus accessible. Yes, bon bah c'est bien de l'entendre.
Parce que du coup. Et honnêtement, pas trop d'a priori et plutôt bien accueilli par. Dans les golfs. Bah, donc... Ouais, donc c'est cool, ça met en confiance. Bon, l'ami Arthur nous a mis un plomb là. C'est bien le premier de la partie. Bah, on est qu'au trou numéro 2. Ouais, premier et pas le dernier. C'est parfait. Allez, on continue comme ça. Allez, c'est parti, on arrive à notre deuxième shot sur le trou. Jules, il va essayer de nous mettre une belle balle en piste avec son fer 7. Ouais, ça va venir. On arrive sur le coup de drive d'Arthur monstrueux. Et là, bah, il nous reste 212. Et ben, bah, on va attaquer. Hein. On va essayer de se rapprocher. On va se rapprocher gentiment. Allez, c'est parti. Ah, dommage qu'elle tourne sur la fin, elle était bige. Hein. Oh la vache. Elle est bien tapée, c'est bon. J'ai pas vu la balle de d'Arthur. Balle. Dommage. Oui, c'est beau ça. Elle tombe. Parfait, merci. Bon, moi je vous le dis, un bon coup. Heureusement que j'ai Yann. Yann dans votre ah, ça marche pas tout le temps. Vous voyez cette série de bunkers jusqu'au green là qui a pas l'air super facile, il est assez étroit. Franchement, des jolis petits trous pour l'instant, c'est super. Il m'a dit que c'était son préféré. C'est quoi le plus facile? Allez! Oh, oh non! Bon bah, deux up hein! C'est chaud? Bah, il m'avait rien dit en l'occurrence, mais. Bah, là, tu l'as mis en confort! Carrément! Allez, trou numéro 3 par 4 à 323 mètres des jaunes, donc bah, ça a l'air d'être tout droit et le green a l'air bien défendu et pas mal de bunkers sur la zone de réception à droite. Pour cette première partie, l'équipe est très bien, j'aime beaucoup le parcours, herbe est fraîche, plutôt agréable, mais j'arrive qu'à péter donc j'ai un petit problème. Ouais, donc là c'est magnifique avec les couleurs d'automne, ouais, ça commence à être super beau. Là, ça, c'est les trous qu'on aime, ça, c'est les trous à gros drive. Là, tu me l'as déconcentré. La porte est là, il y a à dire, c'est à gauche. Ouais, c'est bon. Voilà. Oh, ah bah, c'est magnifique. Elle est belle, hein. Ah, mon holo. Wow. Voilà, bon, bah, c'est bon, je peux. Yes. Super, Jules. Ah bah voilà. Merde. Tranquille. Bon bah voilà. Ouais, on a déjà quasiment une vingtaine de golf partenaires. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt dans l'ouest de la France. Ouais. Et on a ramassé déjà quasiment 100 000 balles. Ouais, c'est énorme. Donc vous avez commencé quand l'activité? On a commencé réellement au mois de juin.
Ok. Au mois de juin dernier, on a commencé notre premier ramassage. Donc non, on a bien bossé tout l'été, on a un bon stock. Ah, c'est bien. Et maintenant, ces balles-là. En fait, tu as une partie des balles qu'on sort du circuit golfique, puisqu'on ne peut plus les jouer. Ouais. Donc ça, on les amène dans des filières de recyclage pour le caoutchouc et le plastique, okay. Avec des partenaires à nous. Et ça part dans des industries spécifiques ou c'est... C'est broyé et après, ils en font des matériaux pour les sols. D'accord, ok. Ah oui, les sols PVC, les trucs comme ça. Voilà, exactement, okay, d'accord. Pour refaire des objets à partir de matériaux recyclés. Ah, c'est bien. Et ensuite, toutes les balles qu'on reste, donc c'est quasiment 60-70% des balles qu'on ramasse, eh ben on les nettoie, on les trie et aujourd'hui elles sont en stock, prêtes à être vendues. À être vendues, trop bien. Et ouais. Bon, on voit que Jules vient de commencer le golf, alors vous voyez la demi-série à l'ancienne avec les petits bois. Mais à mon avis, ça va pas durer, il y aura bientôt de l'investissement. Je les ai prêtés. Ça, c'est un bois qu'on a trouvé. Ah oui ? Ouais, c'est un bois qu'on c'est a marrant, trouvé. C'est un... Qu'on a récupéré, qui était au bord d'un. Qui était au pas, bord c'est quoi, d'un, c'est un... d'un étang. J'arrive même pas à savoir ce que c'est comme. Bois 1-12 degrés. Ah bah voilà, c'est les anciens. Ouais. Alors là, je vais vous dire qu'il faut être précis hein. Avec ça. C'est pas très tolérant. Limite, vaut mieux que tu joues mes clubs, quoi. Ouais, c'est la sacoche vintage. Il va nous rester un petit shot maintenant ? Allez. 82 mètres. Ah, elle va y aller. Allez. Non, regarde, tu vois. Hop, elle est green. Parfait. On appelle ça une commerciale. Bon, allez, troisième shot. Allez, 59 mètres, j'ai eu à la... Ouais. Bah, franchement, faut pas être court, hein, donc. On a le refaire, ouais. Ah, c'est bien ça, super. Oh ouais, elle est magnifique. Ouais, c'est okay, hein. Ah, Arthur, il s'est mis super bien là. Franchement, comme des morbacs quoi, ils vont pas nous lâcher. One up, ouais. On a repris le trou, c'est ça? C'est cela. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une équipe solide là, Alban et Arthur, ça tape. Alors ça tape sur les refs. Ça tape dur les refs. Et voilà quoi, mais non, franchement ouais. Une bonne petite équipe comme on aime, on rigole bien. Allez, trou numéro 4, donc encore un par 4 en handicap 5, il a l'air assez atypique, donc à mon avis il va bien falloir réfléchir, ça a l'air de partir en deux glègues à droite, après il y aura quelque chose à franchir, donc bon bah belle découverte je pense. Oui, parce que si tu prends l'arbre, ça va, si t'as un loupé à droite, bah elle sera morte, donc vaut mieux que tu joues la mire. Ah, okay. Je pense. Bon elle est tapée celle-là hein. Ah, c'est dommage qu'elle soit partie à droite parce que. Mais ça se trouve, on va la retrouver. Hein. Tu seras sur le départ des. Normalement, il n'y a pas de casse. Non, elle est là. Voilà, piquette de merde.
Bon, elle est là aussi. Hein. Elle est là. Elle est, hein. Elle est dégueulasse. Voilà. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bah, si, y a pas de. Non, je pense. Donc là, on se rend vraiment pas compte. Mais le dogleg, il était pas si à l'angle droit que ça. Et en gros, on pensait que ça tournait à fond après la mire sur la droite. Et en fait, ça reste quand même pas mal ouvert. Donc Arthur, lui, il a fait la super mise en jeu en visant au-dessus de cet arbre-là. Et je pense que c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Bon, bah, il nous reste un shot énorme. Le green est tout là-bas. Donc je vais essayer de spotter. Mais à mon avis, il reste beaucoup de distance. Enfin, plus de 200 mètres largement. Donc pas le choix, va falloir taper bois 3. Donc il reste 207 mètres. T'es chaud, Jules, là? Ouais, je le sens bien. Là. Avec un petit vent dans le dos. Avance. Je fais une grosse merde. Énorme drive d'Arthur. On se retrouve limite, hein, mais bon, on découvre le parcours. Donc il nous reste 115 mètres. Petit draw, ça revient. Un bon kick. Eh, écoute, hein. Je voulais la faire sortir là, mais je pensais qu'elle allait vachement bouger. Avec... Elle s'est faite un peu freiner, quand même. Avec la pente. Il y a du vent. Ouais. Peut-être dû mettre un... Là, je me tâte, tu vois. Vas-y, tu veux. Tu rentres tes chips alors après tout. Ouais. On essaye. Allez, quand tu veux, vas-y. Hein. Ta place, il y a. T'as le droit de la taper ? Tu vas en mettre dans la gueule. Je sais pas du tout où elle a atterri. Droite à droite. Bon, c'est propre ça. Oh non. Écoute. Ah. Je pensais vraiment que ça voulait pas du tout. On a un super plot en descente, c'est creux. Ah, bien fait, hein. Non, c'est pas si bien. Bien, Gilles. Ah, dommage. Il te manquait quelques tours de roue. Oh, c'est bien fait, ça, là encore.
Ah dommage, c'était la ligne. Ah, ah, il manque rien. Ah, on pète. Venez. Non, trop fort. Ah. Bon, bah on repasse de down, hein. Ce qu'il veut pour eux. Alors on arrive sur le trou numéro 5, 1 par 3, handicap 17, 138 mètres des jaunes. Donc on va aller vous présenter ça. Vous avez spoté combien ? 137. Entre les deux. J'ai vu le panneau. 137. Allez. On est bien. Magnifique. Merci. Compliqué de faire mieux. Ouais. Ça sort, hein. C'était compliqué. Dommage. Montrer si on veut partager. Oh, elle est bien. Oh, elle est belle. Oh. Allez, yes, yes, yes. Oui. Oh. Oh. On passe sur le trou numéro 6, 1 par 5, handicap 13, 474 mètres, des jaunes, on y va. Quand tu veux dire un truc cool, tu peux dire Arthur, et quand tu dis un truc pas cool, tu peux dire Jules. Jules, il va nous faire un super poil hybride. Andro. Il y a des lignes de chasseurs à prendre là après. Ouais, carrément. Je suis pas sûr que le bon. Ah, à droite, sur le fairway. Dommage. Maxi chasseur là. Ouais. Yes, ça ira. Faut pas qu'elle aille dans les bunks. Ah, c'est bon, t'as les bons rebonds. Nickel. On va essayer d'avancer un petit peu. Vous pouvez aller comme ça, après je le bois 3, sinon on peut aller le faire. J'essaye un petit bois 4. Oh la pire. C'est que ça. T'as le trait. Te rapprocher. Bienvenue au club, hein. Ah, dommage, elle va pas rester dans les chasses. Ouais. Pas mal. C'est pas très beau, mais au moins ça fait. Bah, c'est bien, on est 149. Ça va faire un bon coup de merde, ça.
y a la mienne, on va y arriver. Allez, break, 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 break. Oh, dommage, c'est bien pété. Donc on gagne le trou, on repasse de up. On arrive sur le trou numéro 7, un par 3, handicap 15, 155 mètres, mais il y a un peu de dénivelé, je ne sais pas si vous allez voir. Et c'est magnifique. C'est parti. Je pense que faire 8 c'est bon. Faire 8 c'est bon club. Ouais, je crois. Avec quoi? Il était court. C'est pas du grand golf hein. Donc c'est à droite qu'il faut jouer cette. Franchement, elle va pas être mal, je pense. S'il n'y a pas ce bunker. Elle est pure. Vu la route. Ah, elle est pas ressortie. Ah, si, elle est ressortie. Oh, magnifique. Bon Arthur, ça fait quoi, on prend ta balle? Moi c'est juste. Excuse-moi, j'ai... Du coup on prend ta balle, ça fait plaisir. C'est un honneur. Ouais. C'est franchement, ça doit être la première fois sur une mise en jeu. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc bah... Et donc ça montre un peu les progrès. Que tout est possible. Et que à tes côtés... Ouais, toujours plus. Ah, solide. Square le trou. Allez, trou 8. 1 par 4. 351 mètres. Et avec une bonne pente. C'est fou comme on voit moins le dénivelé à la caméra. Ouais, ah oui, ça écrase. Ça écrase de ouf. Bon. Un peu de chance, on se retrouve quand même avec une balle jouable. Il nous reste 150 mètres en montée. Ouais, juste derrière.
Improbable. Vraiment, vraiment derrière ? Ah ouais, ouais. Bah non, elle est jouable. Pas faire de socket. Ça lui partait en plein dessus. Ouais. Vache! Allez, c'est pas grave. C'est good pour moi. Bon, vous passez à 3. Alors attention, ça rigole plus. Par 4, handicap 1, le trou numéro 9 et 359 mètres des jaunes. On va voir ça tout de suite. C'est Axe Bunker là qu'on voit, je pense. C'est pas, ouais, pas mal, non? Ouais. Ça va sûrement cliquer à droite après. À gauche. Another swing. Je sais pas jouer. C'était un bon bouton voit Jules. Ah non, mais ça c'est ma spéciale. Un petit. Ouais, sur le 1, ça va. Ouais, sur le 1. Ouais. On s'est appuyé sur le 1, on s'est dit ça. Ouais, dans l'idée, hein. T'as un point à quoi? Non, c'est bon, c'est là. Oh, magnifique! Oh, bah celle-là. Come on! Ah, c'est bon, il va être accro au golf là. Ouais. Magnifique jeu. Yes! Ouais, c'est juste incroyable. La vue plongeante sur le green du 9 est juste magnifique. Avec le clubhouse derrière, la forêt et les couleurs d'automne qui commencent à arriver. Et bah, allez, top, top, top. Ah, elle va pas s'arrêter. C'est dommage. T'es pressé d'aller au clubhouse ou pas? Sur la fin qu'elle a vraiment. Ouais, elle a pas mal réussi sur la fin. J'ai l'impression de le péter un peu. Avance. Avance. Ah ouais.
Les deux mêmes potes. On avait dit quoi? On le sent bien et tout. Je suis le putting pour partager le trou. Allez, allez. Oh, oh. Dommage. Dommage. Ah, elle va pas tourner aussi. Oh non. Voilà, c'est la fin du premier 9 trous. Humble avec les potes d'Another Swim. Bon, ce sont des potes trop mal tirés, non? On va dire qu'on s'est fait poutrer, je crois qu'il y a 4 bon. Up. Donc ouais. C'est un peu dur bon, là pour en même temps, nous, mais... on va se refaire. Non, s'il y a un truc à retenir, c'est quand même le départ de Jules là au 9. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il était grand. Il était excellent. On a... Pas pris, mais. Pas pris. Mais, il y a Tarim, hein, non, mais franchement, il donne. La confiance. Ah, c'est bien. Ouais, pour un premier parcours, c'est. Moi, ce que je propose, est-ce qu'on mettrait pas carte sur table, on repart à zéro bah, si. Et on dit que vous avez gagné la première manche et. Carrément. On essaie de se faire des trucs comme ça. Chaque fois que souvent on se voit, on se fait une partie, on tient les comptes. Allez. On fait comme ça. C'est parti. Bon, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, bah, d'aller voir l'Instagram d'Another Swim et bien sûr leur site internet pour découvrir tous leurs produits. Et puis, bon golf à tous. Salut. Merci au golf d'Evreux. Ouais, bah oui, bon, merci au golf d'Evreux. Bien sûr.